Alors, bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Au Jardin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette qui est simple en ce qui concerne la nourriture des poules et des coqs. Alors, cette recette, elle se compose en principe de trois ou bien de deux ingrédients et un matériel. On a le pain qui est dur et solide, comme vous pouvez le constater. On peut le ramasser dans la maison, le pain qu'on ne consomme pas, ou bien auprès des boulangeries. On a ici un peu de blé que vous pouvez acheter. Il est disponible. Et un marteau. Alors, pour faire cela, on pose le pain qui est solide dans un grand sachet comme ça. On le fait serrer comme ça. On le frappe avec le marteau. Pour que l'opération soit plus facile, vous pouvez le frapper sur le sol car le sol est plus dur. Ça va vous aider. Alors moi, j'ai un récipient où le pain. Jusqu'à ce qu'on obtient ce mélange. Et là, votre recette, elle est prête. Vous pouvez la donner à vos poules et à vos coqs. Nous allons voir maintenant comment les coqs apprécient cette nourriture. Alors, nous allons voir si les poules vont aimer cette nourriture ou pas. En principe, ils l'aiment. Comme vous pouvez le constater, les poules sont très heureuses. C'était juste une recette proposée par moi. Alors, comme je l'ai dit, du pain qui est dur et qu'on ne doit pas jeter car il est réutilisable, on le mélange avec un peu de blé et on donne aux poules de manger. Cette méthode est utile par exemple quand votre stock de blé est épuisé. Vous pouvez remplacer avec le pain dur qu'on frappe avec le marteau pour qu'il devienne comme une poudre. C'était Au Jardin, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous laisse sur ces très belles images de poules qui sont heureuses en train de manger. À très bientôt!